pense qu'on a fait, une très bonne entame de match. On est bien rentré dans le match, on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas marqué les occasions qu'on a eues. Malheureusement, dans le football, quand on n'arrive pas à marquer nos occasions, au final, on se fait avoir comme à la fin sur une action. Mais en tout cas, ouais, grosse frustration. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas abattu, on est frustré, oui. On a encore ce match en tête, je pense que la plupart des joueurs, j'ai pas besoin de parler avec la plupart des joueurs, ni du staff, ni des membres de la fédération. Je pense qu'aujourd'hui ce match il est encore en tête. Et il partira pas tant qu'on n'aura pas joué le match de mercredi face au Portugal. Il est encore dans le tête, c'est difficile, il n'en pas. Et on continue d'en parler encore. Après, malheureusement, c'est comme ça et il faut vite passer à autre chose. Pour ça, on a la chance de rejouer dès mercredi, et voilà, il faut vite oublier ce match. Et pour oublier ce match, il faut dès aujourd'hui et hier aussi. Dès aujourd'hui, travailler et penser au match du Portugal. Mais te dire une chose, c'est difficile encore aujourd'hui d'oublier ce match. Mais il va falloir l'oublier quoi qu'il arrive pour penser au match du Portugal. Comme la plupart des joueurs aussi qui sont au sein de cette équipe. Après, te dire que ma présence aujourd'hui fait que je vais jouer le prochain match. Aujourd'hui, il y a un coach qui fait des choix, il faut accepter, on est là pour travailler. Non, je suis venu tout simplement pour parler, pour échanger, tout simplement. À aucun moment, je suis là parce que je vais jouer le mercredi. Non. On a échangé, on échangera toujours. Et en tout cas, bien sûr, on est là justement pour cette expérience, pour aider on va dire, les plus jeunes, même si ces plus jeunes-là jouent dans des grands clubs et des grands championnats. Mais en tout cas, on a vraiment hâte d'être mercredi aujourd'hui et de bien défendre nos couleurs et voilà, de rendre fiers tous ces gens qui sont venus du Maroc, qui sont venus jusqu'ici, et tous ces gens au Maroc qui attendent ce match avec impatience. Et voilà, on a été spectateurs, nous aussi, là on est acteurs. La seule chose qu'on a envie aujourd'hui, c'est de jouer ce match et Inch'Allah de remporter ce match. Certes, on a des jeunes joueurs aujourd'hui dans la sélection, mais des jeunes joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui ont de l'expérience. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs dans l'équipe qui ont une très grosse expérience et qui sont là justement pour aider ces jeunes-là, mais parce que là, on a des jeunes qui sont expérimentés aussi, qui n'ont pas le besoin de recevoir des paroles des plus anciens. Mais en tout cas, oui, après, je n'ai pas un rôle spécial, ni Mehdi Ben Adia, ni Nabil Djerar, ni Moustapha, ni des joueurs qui ont aussi cette expérience. Après, oui, on a beaucoup moins à dire, et je te le dis, on est là pour parler à ces jeunes, mais pas qu'à ces jeunes joueurs, à tout le monde. On est là pour essayer de rendre fiers notre nation, notre pays, notre public. Voilà, on a tous envie, malheureusement, on a raté, comme je t'ai dit, on a raté un joker, mais on est là encore, on va rien lâcher. Mais oui, en tout cas, on est là pour parler aux jeunes, et en tout cas, on l'a fait, on va le refaire encore, jusqu'à au chômage de mercredi. Si aujourd'hui je pense que je te dis qu'on ne croit pas à cette qualification, je pense que je vais prendre cher. En tout cas, on y croit vraiment, et moi le premier, et je pense que du coach jusqu'à la dernière personne qui bosse à la fédération, je pense qu'on est tous conscients et tous capables de gagner ce match. Je ne vais pas sortir des exemples, mais voilà. On a fait match nul contre l'Argentine, il y a des équipes. Moi, je me suis toujours dit, et on m'a toujours dit, quand tu veux, tu peux. Voilà, il va falloir rentrer sur le terrain, et c'est tout. Un match a duré 90 minutes, ils ont deux pieds, deux jambes, deux mains. C'est des humains comme nous, voilà, il va falloir rentrer sur le terrain, tout donner, et on verra bien, Inch'Allah, ce qui se passera à la fin.